Pour fêter ses 70 ans, l'APMU a lancé un concours 70 secondes pour parler de l'association. Bonjour ! APMU, ou Association des professeurs d'éducation musicale et chant choral, l'acronyme APMU ne contient pas et chant choral, sinon ça ferait APMUC, est une asso dont on peut parler en trois mots. Réfléchir, impulser, agir. Réfléchissent parce qu'elle est constituée de gens qui réfléchissent tout le temps à leur pratique en classe et qui vont échanger autour de cela. Comment pourrait-on détourner cet objet ? Impulsé parce que l'association est en perpétuel mouvement, toujours en train de chercher, toujours en train d'avancer et de proposer de nouvelles choses. J'ai une idée, on pourrait prendre le mélodica ? Oh, non, ouais, c'est pas une bonne idée. Chaque membre de l'association est invité à contribuer à la revue, à partager ce qu'il fait et à être force de proposition au sein de l'association. Et si on remplaçait la flûte par la tablette ? Moi j'aime pas la technologie, c'était mieux avant. Mais au-delà de l'impulsion, ce qui marque vraiment l'association de l'APMU, c'est son action. L'APMU, c'est sûrement l'association qui a le plus été au ministère ces dernières années. C'est évidemment aussi l'association la plus réactive et la plus dynamique des associations d'enseignants. Je peux pas décemment affirmer cela, mais j'en suis quand même intimement convaincu. Sans vouloir m'approprier un jingle qui ne m'appartient pas, l'APMU c'est un petit peu venez comme vous êtes, du moment que vous avez envie de partager, que vous êtes bienveillant et que vous aimez la musique. Voilà, donc là on est à 70 secondes, j'ai respecté la consigne, mais j'avais vraiment envie de vous dire quelques petites choses encore. L'APMU, c'est l'association qui lutte contre la faim dans le monde. Ah non, je crois pas. Ah, pardon. Et puis APMU, ça rime aussi avec apéro. Et apéro, ça rime avec mojito. C'est parti ! Oh. Sacré mèche rebelle. Et voilà, cette vidéo est terminée. Mais si t'as kiffé, tu peux me retrouver sur YouTube en tapant N Olivier. Quant à moi, je te dis à bientôt.